Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 115 de Famille, justice, enfance sur RLP avec Stéphane. Aujourd'hui, nous avons le début d'une série de deux émissions consacrées à Monsieur Joël Clergé. Joël Clergé est psychanalyste à Lyon. Il est praticien en aptonomie pré- et périnatale, c'est-à-dire il regarde les interactions humaines juste avant et juste après la naissance. Il anime des séminaires de lecture de textes psychanalytiques, Freud, Lacan, Winnicott, Dolto, et philosophique, Henri Maldinet, entre autres. Il est membre du Collège de la Revue Spirale, dont il a coordonné plusieurs numéros. Il est membre affilié de la Société de psychanalyse freudienne, membre de l'Association internationale Henri Maldinet, D.W. Winnicott et de l'Association des amis de Gaston Bachelard. Il est actuellement psychanalyste à Lyon, membre affilié de la Société de psychanalyse freudienne. Et il est surtout un auteur assez prolifique aux éditions RS notamment, ainsi qu'aux presses universitaires, avec un certain nombre d'ouvrages clés, par exemple « Les bébés et leur papa », Donald Winnicott aujourd'hui, Corps, images et contacts, Les vacances de Monsieur Bébé, L'enfant et l'écriture, La main de l'autre, Naissance et séparation, Son nom de bébé, et surtout, ce dont nous parlerons majoritairement aujourd'hui, l'ouvrage de 2015, enfin de 2008, réactualisé en 2015, Comment un petit garçon devient-il un papa? Mais auparavant, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, nous allons déjà dans un premier temps parler de pension alimentaire. Lorsque la résidence principale est confiée au parent A au détriment du parent B, B est dans la quasi-totalité des cas condamné, entre guillemets, à reverser une pension alimentaire chaque mois. Donc ce mot condamnation a une connotation très péjorative et souvent très mal perçue. Ça signifie en effet qu'il y aurait une punition ou un crime. Ce qui n'est pas le cas quand... Bon, ça ne devrait pas être comme ceci. Problème, cette pension est indexée sur l'indice INSEE de l'inflation, ce qui risque de poser des soucis dans les années à venir. Donc il semblerait que nous dirigions tout droit vers une inflation à 10% pour les années qui viennent. Malheureusement, pour de nombreux parents, cela va accroître de manière très importante la pression qui est exercée sur eux, car les salaires ne suivent jamais directement l'inflation. Ainsi, ce parent B... Voilà, on va dire B, hein, puisqu'il passe en deuxième très souvent, va se retrouver largement défavorisé puisque ses charges s'accroîtront de manière exponentielle tandis que A bénéficiera d'une rentrée d'argent parfaitement proportionnelle à l'inflation, ce qui est exceptionnel dans le contexte actuel. Donc, pour vous donner un exemple du problème, quelqu'un qui paye une pension de 600 € pour deux enfants en 2022 devra débourser 1 556 € en 2032 si on fait un taux d'inflation de 10% par an. Bon, c'est un petit peu extrême, mais ça explique bien le concept. Les tribunaux, déjà surchargés, risquent de voir affluer de nombreuses demandes de révision de pension pour des parents pris à la gorge, qui ne seront pas en mesure de tout traiter et qui nécessitent des frais de procédure parfois rédhibitoires. Bah oui, le fameux avocat qu'il faut payer pour qu'on puisse être écouté. Voilà, il faut payer quelqu'un. Tout le temps. Donc, nous répétons nos idées initiales d'automatisation. On pourrait légiférer en appliquant un taux multiplicateur de 0,7 pour toutes les pensions ou réajuster ce taux chaque année pour prendre en compte la réalité des salaires qui n'augmenteront jamais aussi vite que l'inflation. Faire de l'automatisation sur les pensions alimentaires et non pas devoir repasser à chaque fois devant un magistrat qui nous accorde 11 minutes en moyenne, plusieurs mois après avoir fait notre demande, dès qu'il faut changer quelque chose. La situation est explosive et nécessite une réaction rapide de la part de nos représentants élus. Espérons qu'ils ne resteront pas sourds à cette urgence, comme ils l'ont malheureusement été pour bien d'autres. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Toujours sur les pensions alimentaires, nous enchaînons sur une question au gouvernement, question écrite numéro 123 au Sénat à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, par monsieur Jean-Pierre Bansard, qui attire l'attention sur le recouvrement des pensions alimentaires dues par un parent français établi à l'étranger.
Alors, il faut savoir déjà que depuis quelques temps, c'est la CAF maintenant qui automatise le recouvrement des pensions alimentaires. Vous êtes passé devant le JAF, il y a une pension alimentaire à payer et c'est la CAF qui va directement s'adresser à votre banque ou à votre employeur pour la prendre, la saisir et puis si ça marche pas, qui vous envoie les huissiers. C'est devenu automatisé. Donc voilà, en France, ça s'appelle l'ARIPA, l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires qui a été mise en place par la Caisse d'allocation CAF en 2017. Voilà. Cependant, si le débiteur est à l'étranger, celle-ci est transmise à la Direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger à Nantes. Donc on apprend qu'il y a un bureau de recouvrement des créances alimentaires du ministère des Affaires étrangères en passant par le ministère de la Justice et ils voulaient demander où en était leur action. C'est ainsi que nous apprenons qu'en 2021, ce bureau a réussi à récupérer plus de 778 000 euros de créances alimentaires pour 151 dossiers de, on va dire majoritairement des pères, hein, qui étaient partis à l'étranger et qui ne payaient pas. En lisant encore un petit peu mieux le rapport, on se rend compte que les pays de l'Union européenne ont signé des protocoles qui leur permettent d'échanger des informations et d'accélérer les procédures de recouvrement alimentaire, avec notamment un programme d'échange numérique qui s'appelle e-support, qui est sécurisé par le bureau permanent de la Convention de la Haye. Et surtout, en lisant encore plus attentivement ce rapport, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de parents qui partent à l'étranger en ne payant pas les pensions alimentaires. Donc voilà, après la fuite des cerveaux dénoncée par LinkedIn, qui explique que nos forces vives et nos cadres intellectuels s'expatrient et quittent la France, eh bien nous commençons à voir dans les rapports du gouvernement une augmentation de la quantité de parents qui vont à l'étranger et de vous à moi. On se demande bien pourquoi, ce qui pourrait donc pousser tous ces gens à quitter le pays, à fuir ces organismes de recouvrement, et pourquoi donc ils font cela. C'est-à-dire que dans ce cas-là, non seulement ils ne voient plus leurs enfants, on va le dire parce qu'ils ne peuvent pas les voir, mais en plus, ils se font poursuivre jusqu'au bout du monde pour leur portefeuille. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Joël Clergé. Joël Clergé est psychanalyste, sensible à l'art et à la dimension du contact, indique-t-il sur son blog. Il enseigne à Lyon, il est écrivain. Il est praticien du contact pré- et post-natal, formateur, anime des séminaires de lecture de textes psychanalytiques sur Freud, Lacan, Winnicott et Dolto, et Henri Madinet. Il fait régulièrement des conférences, il intervient dans des colloques et des journées d'association. Alors, Monsieur Clergé est effectivement l'auteur d'ouvrages « Comment un petit garçon devient-il un papa ?»,« Vivre l'ennui », »,« La main de l'autre », »,« Le geste, le contact et la pause », édition RS, « Vivre l'ennui à l'école et ailleurs », »,« Corps, image et contact, une présence à l'intime » aux éditions RS. Il intervient aussi dans la revue Spirale et il a coécrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages toujours sur ces thèmes. Monsieur Clergé, bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est bien vous ? Est-ce que cette présentation vous convient ? Est-ce que vous voulez la compléter ? Oui, oui, non, c'est très bien, ça va. Hein, c'était tout à fait bien. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à devenir ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes ? Quel a été votre parcours et comment avez-vous obtenu la voix que vous portez aujourd'hui ? D'où vient-elle ? Quelle est son histoire ? Alors, son histoire est une histoire liée à la Terre. C'est-à-dire que est-ce que je développe sur la famille, sur les papas, sur la vie de couple, sur le corps ? C'est très lié à mon origine paysanne que je revendique et dans laquelle je me suis formé et dans laquelle j'ai grandi. Au contact sensoriel des éléments de la nature, de la vie de la ferme. Après, évidemment, j'ai fait des études. Je me suis intéressé beaucoup à la vie de famille et, entre autres, à la mort des bébés à la suite du décès d'un enfant. Donc, j'avais coordonné un numéro de Spirale sur ce sujet. Et voilà. Donc, Et donc, vous êtes extrêmement concerné dans vos écrits et vos travaux sur, on va dire, l'environnement familial, la vie familiale. Oui, alors, la vie familiale dans ce qu'elle a de mouvant. J'ai dirigé l'Institut des sciences de la famille à l'Université catholique de Lyon il y a une trentaine d'années. Et moi, je me suis beaucoup intéressé, en fait, aux diverses formes de vie familiale pour reconsidérer et réinventer constamment
ce que nous mettons sous le terme de famille. Si on le garde, je pense qu'on peut le garder, mais c'est important de l'analyser dans les formes que prennent la vie familiale et les situations familiales, puisque le moins qu'on puisse dire sous nos yeux, c'est que sa composition change et que cela nous met face à des questions nouvelles, peut-être pas entièrement nouvelles, puisque je crois que l'enjeu, c'est de se vivre et de naître dans un axe qui est celui de la filiation et de la génération. Mais ce que l'on peut voir dans notre monde contemporain, c'est que les formes de vie familiale sont diverses. Et moi, je tiens beaucoup à prendre en compte cette diversité parce que nous la rencontrons dans la clinique. Nous rencontrons des situations familiales extrêmement variées, changeantes au fil de la vie pour les gens, pour les enfants que nous rencontrons, pour les adultes aussi. Mais la famille, il faut bien voir que c'est un lieu de résidence, on dit « dans ma famille », et c'est aussi le lieu-temps de l'exercice de la parenté. Et la parenté, eh bien, elle nous est donnée par, on pourrait dire, le fait que nous sommes des êtres de parole, que nous sommes des êtres humains et qu'il y a des spécificités propres à notre condition humaine et que, d'une certaine manière, le propre de la famille, pour un enfant, pour un sujet, il y a deux choses. C'est qu'on puisse y trouver un papa et une maman, et moi je tiens beaucoup à ces termes, et pas seulement aux termes de père et de mère, là aussi selon des modalités de relations extrêmement variables, et puis aussi qu'on puisse envisager la famille comme le lieu que l'on va quitter. Le lieu, quand on grandit, on quitte sa famille, on va voir ailleurs, c'est même, je pense, assez vital. Oui, c'est voilà. Le cycle de la vie, tout à fait. Oui. Voilà, tout à fait. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Joël Clergé avec nous sur RLP, qui a écrit sur un thème qui revient de manière intéressante, régulière et qui va nous passionner dans le cadre de cette émission, notamment c'est la question « Comment devient-on père ?» Parce que ce n'est pas uniquement voir un petit être arriver, il se passe plein de choses. Comment ce petit homme qui naît, qui a été bébé, enfant, adolescent, adulte, devient un jour père ? Oui, et devient papa. Et oui. Alors, on va situer un peu une ligne de course pour nous interroger comment devient-on père, donc de façon générale, à comment un homme devient un papa, ou un petit garçon devient un papa. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cela se situe dans un réseau très complexe, en fait. Je pense que du côté féminin également, c'est complexe, mais là, on va parler des pères et des papas et des hommes. D'abord, cela implique, on pourrait dire, des relations, double modalité de relations, verticale, celle qui concerne l'axe de la génération et de la filiation. On pourrait dire, c'est un fils qui devient père, et ça c'est très important. Et puis, sur un axe plus horizontal, celui de la conjugalité, mais pas au sens figé du seul mariage, mais au sens de ce qui se conjugue entre deux êtres, entre un homme et une femme, plus de façon très momentanée, selon des modalités diverses et variées. Donc, on devient père en étant le fils de son père et de sa mère, sur le fil de deux lignées. Ça, quand on devient papa, on a quelque chose des deux lignées. On devient papa aussi par la relation avec sa propre mère, puisque nos parents nous ont marqués et ont déterminé un certain nombre de lignes de fond de ce qui va faire notre vie. Alors, on devient papa avec les références de papa, vécues donc depuis son enfance, et on peut dire même depuis le sein de sa mère. Quand on pratique le contact prénatal, on s'aperçoit que le bébé réagit, alors selon des modalités qui sont parfois très discutées, mais qui sont relativement indéniables dans la pratique, il va suivre la main de son papa, il va être attentif à sa voix, etc. C'est-à-dire que la présence d'un papa, elle est déjà tout à fait valide dès avant la naissance du bébé. Et puis je dirais, si on le prend sur un mode plus subjectif, plus vivant, moins décalé, c'est à chaque fois un sujet précis qui devient père dans une relation
avec une femme. Qu'on peut dire, c'est que c'est un peu un aphorisme un peu compliqué à saisir d'un premier temps, mais c'est qu'il n'y a pas de père sans mère, il n'y a pas non plus de mère sans père. C'est-à-dire ce que je voudrais beaucoup dire par rapport à ce devenir père d'un homme et d'un sujet, c'est que c'est la valeur des deux termes, l'articulation des deux termes, plus que leur définition, de savoir ce qu'est un père, ce qu'est une mère, ben, on le vit, après s'il s'agit de dire ce que c'est exactement, on n'en sait trop rien, mais sauf qu'on le vit, et on le vit dans le rapport à, on pourrait dire, une triple reconnaissance. D'abord, une femme nous reconnaît comme le père de son enfant et de notre enfant, par là même, c'est pas toujours évident. Ensuite, que l'homme concerné se reconnaisse dans cette attribution, dans cette dévolution, et se reconnaisse lui-même papa de l'enfant, c'est pas non plus automatique chez les humains. Et puis ensuite, que l'enfant lui-même reconnaisse celui qui est désigné, celui qui se met à cette place, comme étant son papa. D'ailleurs, je crois qu'il y a un moment, quand on est papa, qu'on vit avec beaucoup d'émotions, c'est le jour où notre enfant petit, grandissant, nous dit « papa », nous appelle justement, il peut dire après « mon papa ». Ah, et quand il dit « mon papa », ben, oui, c'est... Ça a été le deuxième grand moment de paternité. Ah, absolument. Le premier, c'est quand elle tenait dans ma main gauche, comme ça, et je pouvais la regarder. Et, ah, c'était le grand moment, ça fait quelque chose à l'intérieur, il se passe des choses, on sent qu'il y a des mécanismes, des rouages qui se prennent en place, il y a un bouleversement intérieur qui se met en place. Et effectivement, après, quand il y a le câlin et mon papa, il y a un deuxième truc qui résonne à l'intérieur du corps, et c'est très profond, effectivement. Oui, oui. Ce que vous dites, c'est tout à fait juste par rapport à la naissance. Il y a des bébés qui regardent leur papa avec, à la naissance, avec intensité qui est extrêmement émouvante, pour le papa lui-même, et puis pour nous qui sommes autour, quand on est, moi je trouve que j'ai été travailler dans une maternité, et cette scène-là, oui, c'est une scène de reconnaissance. Des oiseaux qui chantent, des anges qui passent, oui bien sûr. Et si vous voulez, c'est une très belle scène, parce que c'est une scène d'adoption réciproque. Je crois que dans tout processus de filiation, il y a un acte d'adoption, pas seulement dans l'adoption d'un point de vue judiciaire, enfin d'adoption d'un enfant qui serait d'une autre provenance. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors Joël Clergé sur RLP 102.3, après ce moment d'émotion qui explique ces sensations de devenir père et autres, nous posons régulièrement la question, nous avons nos réponses, nous demandons régulièrement confirmation de cela à nos interlocuteurs. Le père, le papa d'aujourd'hui en Occident, en France, est-il vraiment le même que celui d'il y a 50 ou 100 ans, ou est-ce que vous avez observé comme nous une évolution des comportements, des mentalités, de la signification d'être père aujourd'hui, en 2022, et de tout ce qui va autour? Alors, ce qui est certain, c'est que les formes d'exercice de la paternité ont changé. Ne serait-ce que parce que, par exemple, il y a quelques décades, certains hommes ne parlaient à leur enfant que quand ils parlaient, ou ne les considéraient que quand ils se mettaient à parler. Avant, c'était du domaine des femmes. Je me souviens quand il a été question des nouveaux papas, dans les revues féminines notamment, je me souviens plus à quelle époque, il y a bien une trentaine d'années, ce qui était très frappant, c'était que c'était les femmes qui parlaient des nouveaux papas et pas les hommes. Ça m'avait beaucoup frappé. Les hommes étaient beaucoup plus circonspects, si j'ose dire, et un certain nombre de femmes avaient peur que les hommes viennent à empiéter sur leur plate-bande. Je crois qu'il n'y a pas tellement de risques à ce niveau-là. Ce qui est sans doute très présent, plus présent, c'est justement la présence d'un homme auprès des bébés. Et ça me paraît, moi, enfin en tout cas, c'est une expérience que j'ai vécue et qui est très très belle, enfin très émouvante. Et je crois que cela engendre quelque chose dans la relation d'un homme avec son enfant et dans le devenir de l'enfant lui-même, qu'il soit fille ou garçon. Ça, pour moi, c'est un élément très important. Ce qui est aussi important, c'est il y a quelque chose qui a changé aussi. On voit bien que les élans de la paternité sont aussi conditionnés par la structure socioculturelle et économique dans laquelle on vit. À partir du moment où le chômage a été massif, ce qui est une époque assez... et qu'un certain nombre d'hommes se sont retrouvés sans travail, ils se sont retrouvés certains à la maison et pas toujours à l'aise quant à trouver
comment ils allaient être avec leurs enfants dans ce laps de temps. Il y a une chose qui, moi, m'a toujours beaucoup marqué, c'est que les hommes ne sont pas avec leurs enfants comme sont les femmes. Et que vouloir modaliser la présence des hommes sur le modèle de la maternité, d'après moi, ça ne marche pas. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Je l'ai vécu souvent et des papas me l'ont dit souvent. Ils sont l'après-midi avec leurs enfants. Bon, il y en a un qui joue de son côté, il y en a un autre qui lit, l'autre qui regarde la télévision. La maman n'est pas là. Elle rentre, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, rien de particulier. Et elle, certaines du moins, ça leur paraît étrange qu'ils n'aient pas fait quelque chose ensemble, vous voyez. Alors je ne parle pas d'un modèle, hein, je parle d'une expérience qui est plus ou moins partagée. Et puis il y a aussi le désir d'un certain nombre d'hommes, même si c'est difficile pour des jeunes hommes, je pense à la génération des hommes qui ont 45, 50 ans, de faire quelque chose avec leur enfant. Moi, je crois que être présent avec ses enfants dans des activités, les accompagner, parler avec eux, moi je vois comme grand-père, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. Enfin, moi, je suis très heureux de converser avec mes petits-enfants, de les accompagner dans des activités, d'aller à la piscine avec eux, de faire éventuellement, de les accompagner dans leur travail scolaire. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils s'y mettent avec beaucoup de courage, contrairement à ce qu'on dit souvent. Voilà, donc le fond reste que être père, c'est adresser la parole à son enfant et le reconnaître comme tel. Mais les modalités, plus sensorielles et de proximité, moi, me paraissent une évolution heureuse. Et alors, vous dites-vous équité parentale, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'équité, c'est pas forcément la symétrie. Hein. L'équité, elle peut se donner dans une dissymétrie des places, des rôles, des fonctions, ben, dissymétrie des corps, hein, et se donner dans la différence et dans l'altérité de chacun plutôt que dans quelque chose qui serait une harmonisation, vous voyez, un peu unitaire et totalitaire. Ça, c'est la grande théorie, effectivement, que nous portons dans l'association, hein, c'est qu'il y a une translation qui s'effectue parce que la femme rentre dans l'environnement professionnel et de manière, symétrique, l'homme essaye de rentrer dans le monde de la famille. Hein. Madame Castelin-Meunier nous parlait d'un rééquilibrage. Oui. Elle disait qu'avant la révolution industrielle, dans les milieux populaires, l'éducation était extrêmement partagée par les hommes et les femmes parce que tout le monde allait au champ ensemble, qu'on changeait les couches, ouais. On apprenait à marcher. Et c'est après l'exploitation de masse qui a fait qu'il y a eu une séparation vraiment des tâches. Et donc, c'était des loisirs, l'arrivée du chômage, comme vous avez dit, fait qu'il y a un rééquilibrage de demande. Mais ce rééquilibrage fait qu'il y a une translation. Qui dit translation dit friction. Et donc, on a moins l'habitude d'entendre des hommes parler de la famille et de l'enfance qu'on pourrait l'avoir, et il peut y avoir une résistance naturelle qui s'effectue par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi j'avais pensé à un moment donné, d'ailleurs je le crois toujours, plutôt que la famille comme réseau, la famille en archipel. C'est-à-dire, vous voyez, qui regroupe des îlots de singularité, hein, qui peuplent ces territoires, aux formes variées et tout à fait changeantes. Hein. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les éléments symboliques qui permettent à un enfant de grandir, de vivre, de devenir lui-même avec les autres, ils sont en fait fondé sur un don de la parole, hein, une adresse de la parole, un appel du prénom de ses enfants, cela soit gardé, quelles que soient les modalités de vie familiale. Mais comme vous le dites, il y a une translation et la difficulté, c'est parfois de respecter à l'intérieur même d'un couple ou à l'intérieur d'une famille la disparité des positions. Et le fait que, qu'il peut être conflictuel, hein, on n'est pas d'accord surtout quant à l'éducation des enfants, mais qui d'après moi est fructueuse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'échange qui peut être maintenu. On peut des fois se disputer sur la façon dont on réagit avec les enfants, ça n'empêche pas qu'on reste en relation avec eux de façon différenciée. Moi je trouve que le risque, c'est de vouloir homogénéiser les rôles ou les places ou les fonctions, et que du coup au détriment de la singularité de chacun. Hein, on est chacun papa à sa manière, chacune est maman à sa manière. Et puis, il y a une chose aussi quand même qui est importante à prendre en compte du point de vue socio-culturel, c'est que les formes de vie familiale ont énormément changé, et du fait de recours à la procréation, médicalement assisté, enfin, un certain nombre de données nouvelles, tous les enfants ne vivent pas avec leur papa sous leur toit, certains ne le connaissent pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de repères quant au fait que quand on naît, c'est qu'il y a bien une relation entre deux êtres, entre les deux cellules qui permettent qu'un enfant vienne au monde. Pour moi, ce réel-là,
C'est pour moi très important à prendre en compte, qui fait d'ailleurs une grande différence entre les couples de même personne, selon qu'il s'agit de deux hommes ou de deux femmes. On voit bien que là, la paternité, le partage de la paternité est extrêmement différent. On n'est jamais parent tout seul. C'est un peu le... Après, les modalités de la vie concrète, ça, c'est autre chose. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Oui, mais ça nous a été confirmé par plusieurs intervenants. En fait, une famille, c'est un triptyque. L'enfant a besoin de manière quasiment, dans sa conception, dans sa fabrication, il a besoin de deux référents qui ont des rôles séparés. Une famille monoparentale est appelée dysfonctionnante, mais il a besoin effectivement d'avoir plusieurs sortes d'incidences. Est-ce que vous vous souscrivez à cette théorie qu'on entend beaucoup, qui dit que le père est là pour être un espèce de séparateur entre la mère et l'enfant et pour aider l'enfant à s'épanouir, à s'envoler par lui-même, comme une espèce de biseau qui s'insère entre les deux. C'est un peu caricatural, mais on entend beaucoup on entend énormément. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'ai écrit « Comment un petit garçon devient-il un papa ?» pour aller contre cette version de la paternité. Voilà. On n'est pas des gorilles. je vais dire que le père n'est pas celui qui arrache l'enfant à la mère, ça c'est d'une fiction que je trouve d'ailleurs assez mortifère. Non, je pense... Dit comme ça, c'est violent, je suis conduit, d'accord, effectivement. Dit comme ça, c'est violent, bien sûr. Parce que si vous voulez, c'est le fond. C'est-à-dire que oui, comme vous dites, c'est violent, mais je crois que de poser la réalité sous cette modalité est très violente. D'abord, elle est impraticable. Un homme ne peut pas occuper cette position-là, puisque c'est une position strictement symbolique, c'est-à-dire ce qui sépare les enfants de leurs parents, les enfants de leur papa, les enfants de leur maman, c'est pas l'autre de la relation, c'est la parole elle-même, c'est l'échange. La parole, moi je dis qu'elle est créatrice de liens et séparatrice des êtres, vous voyez, c'est l'échange qui est séparateur. Alors je crois au contraire que chacun des trois termes, l'enfant pour son papa et sa maman, le papa pour la maman et l'enfant, la maman pour le papa et l'enfant, chacun est un troisième pour l'autre, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est le père est l'agent de la séparation, je dis plutôt qu'il est un troisième. Le papa est un troisième, comme l'enfant est un troisième, comme la maman est un troisième, et que ce qui est en question, c'est qu'est-ce qui fonde cette relation ternaire à trois. Eh bien, ce qui fonde cette relation ternaire à trois, c'est un terme qui n'est pas parmi les trois termes. C'est-à-dire, c'est la parole, c'est le désir. En psychanalyse, on dirait c'est le phallus symbolique. Je m'excuse de gros mots. Mais je veux dire, c'est la parole qui se charge de nous séparer, c'est l'altérité qui nous sépare. C'est pas un être sur un autre, vous voyez, parce que si c'est comme ça, c'est d'une violence inouïe quand même. Oui, mais il y a quand même une tendance institutionnelle à privilégier le rapport mère-enfant, on va dire, et le père qui trouve dans la société d'aujourd'hui une place plus importante qu'il y a une cinquantaine d'années, dans les situations compliquées, n'a pas l'assentiment de l'institution, l'assentiment de l'environnement pour la garder éventuellement s'il y a une séparation. On voit bien qu'il n'y a pas forcément d'égalité homme-femme dans la parentalité au niveau de l'institution. Ah non, mais c'est pour ça que la question de l'équité que vous posez, que dans ce terme-là, moi, me paraît très importante, c'est que du point de vue institutionnel, je crois qu'on vit quand même sur des idées relativement, classiques, alors même que la réalité familiale est en mouvement. Et que c'est ça qui est compliqué, je trouve, c'est que comment tenir compte de cette réalité mouvante pour que soit garantie à travers la diversité des formes familiales et les diverses manières d'être papa, par exemple, la vie de l'enfant dans son devenir, dans sa croissance, dans son expression, dans sa vitalité, justement. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.